planète, y a pas 36 recettes pour récolter du blé. Avant il faut semer, et pourtant les hectares se font toujours plus rares. Il faut exproprier, brimer l'autoroutier, choisir vos laitages, vous demanderez des gages, une traçabilité d'origine certifiée. Pour des denrées plus sûres, pour que la vie perdure, il vous faudra manger que des produits fermiers. Tuez pas les paysans, pensez à vos enfants. Tuez pas l'agriculture, c'est crime contre nature. Partez tous en campagne, en pleine à la montagne. Tuez pas les paysans, il en faudra tout le temps. On entend dans les villes des commentaires hostiles, des propos militants sur notre environnement, comme quoi l'agriculteur, horreur, serait pollueur, qu'avec ses pesticides, doucement il nous trucide. Pourtant ces épandages ménagent nos paysages, la fertilisation occupe son attention. Ces phytosanitaires sont souvent salutaires, et puis quand il le faut, il sait produire du bio. Tuez pas les paysans, pensez à vos enfants. Tuez pas l'agriculture, c'est crime contre nature. Partez tous en campagne, en pleine à la montagne. Tuez pas les paysans, il en faudra tout le temps. Que sera mon village, ce décor de bocage, un pays déserté s'il n'est plus cultivé? Quand il n'y aura plus d'école, de tissu agricole, adieu la boulangerie, l'épicerie, la boucherie. Si vous aimez les vaches, alors rangez vos haches, redémarrez le tracteur, fuyez ses détracteurs. Parce que l'agriculture fait partie de notre culture, que serait l'horizon sans les exploitations? Tuez pas les paysans, pensez à vos enfants. Tuez pas l'agriculture, c'est crime contre nature. Partez tous en campagne, en pleine à la montagne. Tuez pas les paysans, il en faudra.